Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est... C'est là que j'ai poursuivi Conrad, c'est ça? Par ici! Il y a un chemin par là. Non mais j'ai pas existé de l'autre côté, c'est quoi ce délire? C'est pas sérieux. On est rentré par là, non? Vous avez trouvé la radio? Non, mais il doit y avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Personnellement, je suis pas vraiment sûr de nos chances de survie. Il y a un problème, là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils n'ont pas pu trouver leur position. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Ça sent le désespoir. Oh boy. C'est la radio, mais... Je visite encore. Que je m'assure de tous les trucs autour. Ok, petite ammunition. Oh shit. Apparemment, une grosse tempête les a surpris.
Je peux pas aller là-bas. Encore, peut-être. On peut l'activer la radio maintenant. Regardez. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant. Je vais la tester. Et dans le sud, on entame un cinquième jour de... Ah, ça fonctionne. On est prévu à l'horizon au moins juste... C'est une station de nombre. 8. 52. 186. 49. C'est quoi ça? Une fréquence militaire. On demande de l'aide. Hé! Hé! Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives... 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Répétez. À vous. On est sur un genre de cargo. Le nom du navire serait l'Ourang Medan. Allô? Allô? Quelqu'un me reçoit? Hé, hey, répondez-nous! Holy shit, j'espère que rien ne va m'arriver. Hé! Hey, par là, regarde! Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici, au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Hé, hey, petit frère. Quoi de neuf? Je me disais que tu méritais une promotion. Prends un médium, t'en penses quoi? Mais de quoi tu parles? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ok. T'es vraiment sûr de toi? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non! T'es pas mon garde du corps. Je peux m'en sortir toute seule. Oh, oh, oh. Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok, Julia. On est parti. Oh boy.
T'as rien de cassé? Est-ce que tout fonctionne? Tout le monde va bien? Tout va bien. On fait quoi maintenant? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok, on attend près de la radio. Here. Oh shit. Hey. Après toi? Oh boy. C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Et moi, c'est le gars là, le gars que j'ai affronté tout à l'heure en haut là, avec la cape. Lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est qui ce gars? Oh shit. Oh shit. Il y a une histoire de bagarre. Dix jours au trou? Waouh! Il a vraiment dû péter les plombs pour mériter ça. Et il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Ok. Ok, il me semble avoir tout vu ici, hein. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes? Eh ben, dans d'autres circonstances, cet endroit doit être totalement dément à explorer. C'est unique. Ce sera sans moi, c'est clair et net. Dit la fille qui rêvait d'explorer une épave. La ferme. Oh boy, ça c'est le petit de l'autre. Peut-être le fils d'un membre d'équipage. Oh la vache!
Okay. Je pense qu'on a fini ici. Ouais, j'avoue, ce truc, il est... Il va dans tous les sens, quoi. Viens voir un peu ça. Regarde, là-bas. Holy shit. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? Holy shit. L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends. Est-ce que ça va? Ouais. Impec. Descends voir. Oh boy. Oh shit. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était... là. C'était... Tu l'as pas vu, toi? Pardon? Ok, donc moi, je vois des trucs, mais... Mais toi, tu vois rien. Ok, donc... Voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Mandchourie. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et... On sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être... Peut-être qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs déments qu'on a vus, c'était pas réel. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'il craignait quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Peut-être. En tout cas, ce serait pas absurde. Ils étaient peut-être en contact. C'est une théorie, c'est tout. Bon sang. Ok, faut continuer. Oui. Bon, comme vous savez, on a perdu un des personnages. J'espère aussi en sauver quelques-uns, quand même. Parce que j'ai même pas compris comment je l'ai perdu, parce que c'était sous le coup des trucs de respiration. Je l'ai fait. J'ai commencé à faire. Tu sais ce que j'aimerais. Et après, à un moment... Être trop sec. Ça a déconné, genre ça a plus marché. Là, on va un peu trop loin, là, non? Ouais, mais non. Je pense qu'on doit voir l'autre pièce là-bas. Donc les amis, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de liker, de commenter, ça aide énormément, plus que vous n'en pensez, et ça m'aiderait beaucoup, vraiment. Si vous vous abonnez, vous partagez et que vous likez la chaîne, je vous laisse appuyer sur pause et lire, les amis. Vise-moi ça. Le navire avait jeté l'ancre. Mais pourquoi?
J'ai rien ici. Ok, on peut y aller. Et on pourra retourner là-haut. Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez ? À vous ! Quelle est votre situation, à vous ? On a besoin d'aide, et vite ! Il y a des trucs sur ce bateau qui essaient de nous tuer ! À vous ! Oh boy. Allez, marche, putain! Regarde ça! Le recycleur! Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke of Milan. Tu crois qu'il marche toujours ? Il y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça nous fera perdre du temps. Non mais ça va pas. Le bateau prend l'eau, ça pourrait nous sauver la vie. Bah ouais, t'es folle ça. Ah mon gars. Désolé. Je crois que... on devrait pas rester là. Je sais ce que t'essaies de faire. De quoi tu parles, Salou? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. C'est moi seulement. Oh, moi qui t'as perdu la tête. Pourquoi? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! T'as qu'à te faire! Non, le couteau! Je t'avais dit de fermer ta gueule! C'est ça, son frère, il s'est pas regardé, je crois. Oh, merde! Ah non! Ouais, il avait un couteau quand même, le mec. Et son frère? Non, faut pas que je rate cette séquence. S'il y a une séquence là, faut pas que je la rate, sinon son phare il est mort. Et celui qui va le tuer en fait, c'est la prémonition. Ça veut dire que j'aurais dû pas envoyer son frère, j'aurais dû envoyer l'autre. Oh shit, si je rate ça, je suis mort. Lire les amis.
Oh, oh non, je suis mort. Oh, je cours. Faut qu'on se barre. Putain de merde. Pas la peine de vous cacher, sale petite merde! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Oh non. Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez! Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? Oh non. Ah non, là j'ai perdu. Si vous n'avez pas tout l'or, vous allez me laisser crever! Crever! Mais c'est moi le capitaine! Et c'est moi qui contrôle tout! Et je suis le seul à décider de qui reste et qui part! Ah. Oh merde, j'en parle pas! Dis-moi que tu sais comment sortir de là! C'est trop risqué de bouger! Faut observer et attendre le bon moment! Oh non! Ces pauvres équins friqués voulaient s'éclater en terre inconnue, hein? Leur plan a foiré. Les générateurs fonctionnent. L'or est à moi. Et maintenant, c'est moi qui vais m'éclater à tout éclater. Moi! Avec mon putain de marteau géant! Ah! J'ai raté. Oh là 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 là. Je savais que c'était n'importe quoi, cette histoire. T'en fais pas. Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... choses. Ok. Ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Oh, shit. Voilà. Lentement. Ok? C'est bon? Personne change. Ça suffit! Les mains en l'air! Lentement! Non, non. Non, pas comme ça! J'ai dit, personne change! Je t'en prie, on n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié. Désolé, mais si vous respirez, alors vous n'avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Ah! Ça recommence! Tout ça encore transformé! Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Restez loin de la brume! Quoi? Mais il n'y a pas de brume! Respirez pas! Faites gaffe à la brume! Mais c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle... c'est... elle ramène à la vie des choses qui ne devraient pas être vivantes. Elle est entrée. Elle est avec nous, là. S'il te plaît, calme-toi. Stop. Stop. Elle est dans l'un de nous, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez. Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré, ça se produit. Tu peux le sentir. Ok, écoute-moi, c'est vrai, j'ai vu un truc tout à l'heure. Un genre de brouillard ou de brume? Je le savais, je l'avais dit. Tu l'as respiré? Non, on a retenu notre souffle, on n'a pas respiré de ce truc. Ah, vraiment?
Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire? On est ici depuis des heures. Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps. Et là, vous respirez pas. Oh non. C'est la brume. Elle est entrée en moi, c'est ça? Elle est en moi, pas vrai? Je sens qu'elle est en train de se répandre partout. Elle me transforme. Non, non, je vois rien du tout. Tu vas bien, vieux. Il n'y a pas de brume. Arrêtez! Arrêtez de me mentir! Vous la voyez tous en moi, pas vrai? Vous montez tous la brume en moi! Oh shit! Allez, pose-toi. Oh, shit. Oh, putain de merde. Bon. J'ai pas pu faire autrement. Je voulais distraire, je pensais pas qu'elle allait se tirer dessus. Attends près de la radio. Pourquoi ? Je vais aller faire un tour, pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Je vais pas très loin. Reste près de la radio. Oh shit. Pourquoi il est descendu, lui ? Ah non, pas ça. J'ai vu le grand type. Il avait la tête d'allumage. Il faut qu'on le suive. Oh shit. Ça doit être ça qu'on a entendu. Holy shit. Oh non, c'est quoi? Peu importe, il nous faut cette tête d'allumage. Là, il est sûrement passé par là. Holy shit. Oh.
Carl aussi. J'arriverai pas à faire ce saut, Alex. Non. Je vais devoir trouver un autre moyen. Non, elle, on va la perdre. C'est sûr. Ou lui. Non, je voulais vraiment sauver tout le monde. Mais c'est impossible. Oh, y a un mec derrière. C'est quasiment impossible. Attends, y a un truc là-bas, là, non? Rien ici. Holy shit. Merde. Merde. Holy shit. Tiens, tiens. Je dirais que la chance nous a souri. Il est courageux. C'est quoi ce délire? Quoi t'as laissé? Il a laissé le truc. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis mort. Les apparences sont parfois trompeuses. Ne fais rien. Oh shit! Oh, il hallucine. Les apparences sont parfois trompeuses. Je te tiens. Ouh, j'ai failli la tuer. Oh, Jesus. What the fuck? What the fuck? J'ai failli la tuer direct. Heureusement que je suis resté safe. Mais par contre, je comprends pas. Il est où le gars avec la capuche? C'était qui lui?
Allez. C'est parti. Dans les temps où j'ai mal appuyé et on l'a perdu. Sinon, j'aurais sauvé tout le monde. Le bras avait l'air de fuir quelque chose. Il était mort de trouille, genre, terrifié. Je sais pas pourquoi. Je voyais pas ce que lui voyait. C'était un crétin. C'était quelqu'un de bien. Il avait un sacré don pour les conneries, mais c'était quelqu'un de bien. C'était un gros dingue. Il adorait amuser la galerie. C'est comme ça. J'ai quand même bien juré et réussi à sauver tout le monde. À part les membres, à part ceux qui nous attaquaient. Ça compte pas, c'est pas... Oh, je t'ai moins dégoûté pour lui. Trop dégoûté, quoi. Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Ouais. Oui, presque. Il s'en est fallu de peu, mais Alex est parvenu à garder son calme. Bravo, Alex, et bravo à vous. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun... Il vient d'annoncer le prochain. C'est... inévitable. Ouais, bah de toute façon, on jouera au dernier. Il nous manque Little Hope, et ça va être le prochain épisode. On va jouer. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over? Won't you spare me over till another year? 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 La personne est assez curieuse. Donc, comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai? Waouh! C'est quoi ces conneries? Ça sent pas bon, là.
Oh shit. I just saw someone in the woods. Little Hope. Whoever it was, they're gone. Oh. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Voilà les amis, c'est fini pour nous. On avait réduit Conrad. Voilà. Bien sûr, parmi les cinq, on a perdu un seul. Bon, on a fait tout ce qu'on a pu. Problème de touche. Lorsque il avait la séquence de respiration, j'ai raté en appuyant sur le bouton. Et il s'est fait attraper. Et il a paniqué. Et il s'est fait pousser. Et il est tombé. Et il est mort. Sinon, j'aurais presque sauvé tout le monde. Et bon, c'est comme ça, c'est... C'est comme ça, c'est le jeu, c'est tu fais des choix et tu les perds ou tu perds pas ou tu... Voilà. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi le jeu, c'était cool. On adore. Ouais, comme j'ai dit, on a fini The Devil Army, allez le voir. On a fini House of Ashes, allez le voir. On vient de finir Man of Medan, regardez-le. Et nous, on va continuer pour la prochaine fois avec Little Hope. Ainsi, nous aurons bouclé la saison 1 de... The Dark Pictures, et on a hâte d'attendre la saison 2. En tout cas, merci les amis, c'était cool. Le jeu, il est excellent. Jouabilité, il va s'améliorer dans le temps, étant donné que Man of Medan, c'était le premier. La jouabilité dans le dernier est déjà beaucoup mieux dans The Devil Enemy. C'est déjà pas mal, mais c'est toujours aussi chiant de devoir cliquer vite, voilà. Mais c'est comme ça, c'est le style de jeu. L'histoire classique, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est pas mal, on aime bien. Les jumpscares, dans le premier, prévisible. Mais dans House of Ashes, ça ne faisait pas peur. Dans The Devil Enemy, il y avait une tension, c'était pas mal, mais on n'a pas eu si peur que ça. Mais c'est des bons jeux à jouer, c'est cool dans le genre, et on adore. En tout cas, les amis, on se retrouve la prochaine fois avec Little Hope. Et prenez soin de vous, ainsi que de vos proches, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de participer, de partager, de liker, de commenter, et abonnez-vous. Ça aide la chaîne, ça m'aide, et voilà les amis, à très vite, prenez soin de vous, tchuss.